le pointer avec le drapeau de ce chemin. Lol. Salut, c'est Ranaba. Non, bah, je suis salut. Je m'en passe. Renard, c'est un larin en carnation de Bouddha et Jésus a un pédophile très très violent. Vous allez pas, pas. Renard, c'est un larin en carnation de Bouddha et Jésus a un pédophile très très violent. Ça choque la langue? Non, ça va. Alors vous êtes au TV. Pour pas payer sa fonte, pour pas payer très cher, je vais vous donner 600 000 euros minimum. Est-ce que vous savez 75 millions d'années, un extraterrestre mexénu qui avait des problèmes avec sa population, fit venir les gens à un contrôle fiscal. Est organisé par des psychiatres. Vous apprendrez que vous allez amener au commission. C'est la réincarnation de votre gourou Bani Amelden. Ah, c'est pour ta soeur. Pour ta soeur. Je suis tellement donné, j'ai plus de papier toilette. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, on t'a un pour ta soeur. C'est bizarre, moi aussi j'ai une panne de papier toilette en ce moment. Regarde, la finition de papier. Quel dommage. Oh, ça va finir en toilette. Oh, accidentellement. C'est un cadeau, on fera du feu avec. Oh, feu de joie. C'est pas la Sarah, mais ça y ressemble. Ah, non, hein. Non, en général, les gens ils sortent plutôt. Tu m'étonnes. Bonjour. C'est une blague, hein, faut sortir maintenant. La drogue, c'est pas bien pour la santé. Hein. Ah, vous là, je vous ai bien eu. J'ai assez votre gourou, j'ai ressuscité notre rébord. Faut sortir maintenant. Ah, regardez la technique, regardez. Oh, terre, lui. Dites-nous bonjour au moins. Voilà. Voilà. Salut la France. Voilà. Et ça s'appelle France. Voilà. Lui d'attention. Voilà. Voilà. Ah bah alors, on dit pas bonjour. Putain, poli, ouais. Oh, d'habitude, il y en a plus. Le jour, on a un meilleur accueil, hein. Ça gère ce que tu viens de faire. En fait, c'est pas... Voilà. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Ça va, l'escroc... L'escroquerie, ça va bien? Je voulais juste me faire des trucs. Allez, c'est bon, c'est parti, c'est votre gourou, ça, vous devriez les écouter. Regardez, j'ai la tête de Randoba. Randoba. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je crois qu'on restait des heures comme ça. Eh, et mon cigare et ma bouteille de whisky, elle est où? Je peux m'installer dans mon bureau ou pas? Ah ben, je peux bien m'installer dans mon bureau, hein. C'est des grosses fêtes. Bureau payé avec l'argent des innocents volés, hein. Ah ben, moi, tu sais ce que je fais avec l'argent des innocents que j'ai piqué dans la scientologie? Non. Eh ben, en fait, je vais très avec. J'ai que des coupures de sang pour sortir. Pardon? Tu veux venir peut-être? David, il va bien? Non, encore tapé ce stop apparemment, David! David, il a tapé sur qui cette semaine? C'est sa copine! T'as rien à combien, Lyon? Hein? Le Lyon, il a rien à combien? Oula! Anonyme fleuri gay. Ouais. Ah, je sais qui c'est. Non, parfait. Anonyme, vicieux. Il y a le Keepers of the Fame. Le Keepers, il y a aussi Anonyme. C'est le vêtement d'intervention anti-secte scientologue. Très, très, très néfaste. Allez, les gars, vous avez fait une blague. Allez, il faut sortir maintenant. La scientologie. C'est moi, votre gourou, Ron Boba. La scientologie. Qui aimait bien se faire servir par des filles vierges de moins de 14 ans. Oh là là, j'attends toujours mon prochain.
Non, c'est... La scientologie nie gravement à la santé. Un cercueil. Ah, ils ont une livraison. Un cercueil. Vous l'avez payé comment? Oh, ce cercueil, vous allez avoir la tête du scientologue. La justice n'est pas pour vous. Non, votre gourou est connu. C'est bien, vous sortez. Ouais, sortez. Bravo, vous sortez. Sortez. On vous félicite. Arrêtez, j'ai mis bien, t'arrêtes pas à faire de tout. Innocent. Allez! Je crois qu'il serait capable de lui taper dessus lui aussi. Ah bah non, il a ses larmes pour ça. Voiture, on décale. Eh, vous voulez que je vous dévoile le T8? Ça vous évitera de dépenser du pognon. Lol. René Bert serait la réincarnation de Bouddha et Jésus, un pédophile très très violent. Attention, vous risquez de mourir d'une combustion spontanée. Et d'une pneumonie aussi, la pneumonie. Ah, ça c'est la pneumonie. Pour un T8, c'est direct radical. Le psychiatre extraterrestre. En fait, je suis le psychiatre. C'est aussi un ma parapurose. C'est le plus chouette. Il est sexy. Il est trop ouf. Ah bah, mais parapurose. Tu l'as, lui? Tu l'as? Allez, je te vole un peu de parapluie, Luc. Et c'est passé là-bas, moi, quand même. Enfin, je pense, hein. Lol, en fait, il y a trois personnes, une à la fenêtre, une derrière la fenêtre et une dans la caisse. Ah, ils sont cachés. Ah, c'est des permanents. Ils ont honte. Salut. Ah, tu t'ennuies pas trop à nous filmer? Ah non, attends, comme ça, ils ont mis une demi-minute, une minute de bichon. Lol. C'est là. Comment je fais dans les bois? Zoom dessus. Oh, méchant, il nous a fermé le volet à la gueule. Il y a la raison de rester sur le trottoir là. C'est lui le chef, c'est lui le vrai chef. He's the master. Lui, il est chargé de la communication. Ça va, ça il est connu en Lituanie. En Lituanie, en Afghanistan. C'est moi, c'est votre gourou. Mais c'était une blague. Sortez maintenant. Allez, fais pas ton timide, Rico Rousse. Sortez de la tête. Je suis Rodabar, je me tends sur vos têtes. Et ça va très bien marcher. Allez-y, sortez maintenant. Ah bah voilà, on l'a fait. Oh bien. Voilà. Vous l'avez volé où juste? Ah bah tu sais, en plus c'est dur pour moi, ça l'a pris. On est là, on est en train de faire des prochains. Aussi, 1500 euros s'il vous plaît. Ouais, faites bien, prends ça les mecs. Allez, balancez du fric par les fenêtres. Mon ferrage, j'adore vrai. Bienvenue à la maison Choco. Donc, je vous présente la maison Bikourou avec des Gugus qui... Gugus n'est pas une insulte, hein. Qui sont en train de s'amuser à régler une caméra. Ça va, vous les jeunes, vous aidez à la régler? Mathias, t'es trop mignon, tu viens. Le fil vert, sur le bouton vert, le fil rouge, sur le bouton vert. Viens, je t'invite. Au pire, si on fait exploser l'église, c'est pas un problème, hein. Mathias, j'espère que tu vas pas encore nous taper dessus. Pas comme la dernière fois, hein. Pas comme la dernière fois, t'as voulu taper Franz. Et puis, j'espère que vous allez arrêter de me tabasser, ça commence à piquer. Un peu pour vous, hein. Non. À chaque fois, vous avez des procès. Et à chaque fois, vous perdez. Et à chaque fois, vous perdez. Picoro, tu veux pas parler en ce moment? Après ta petite pression judiciaire, Picoro. Hey, c'est moi le patron de la chatologie. Santé, c'était une blague. Je me foutais de votre gueule et ça a bien marché. Merci David Miscavige. Un monsieur qui apparemment boit beaucoup. Apparemment, pas prêt sur staff. Hey, you, beam, and staff. Beep.
En fait, les scientologues sont censés avoir des pouvoirs surnaturels. Comment ça se fait que t'as encore tes lunettes? T'as encore les body tétons qui te brouillent la vue, c'est ça? Des collecteurs. Non, parce qu'à la limite, tu pourrais mettre des lentilles histoire collecteur. De vous faire croire que t'as des exemplaires. Parce qu'ils avaient pas assez d'argent. Non, en fait, c'est dommage. Hein. Franchement. Et en fait, nous, on en a des super pouvoirs, on vous fait chier, en plus, il y a moins de clients. On peut même... Et on paye pas. On vous troll gratuitement. Eh oui, car René Barthes dit être la réincarnation de Bouddha, et il dit aussi que Jésus sera un pédophile très violent. Voilà le plus haut niveau de la secte scientologie, le niveau T8. Vous risquez de mourir d'une combustion spontanée. Les scientologues pensent qu'ils vont prendre feu comme ça si on leur dit que leur gourou croyait être la réincarnation de Bouddha. Il y en a qui ont chaud, là. Non, ça va? Non, ça va. Bon, pire, il pleut, hein, ça éteindra le feu. Lol. C'est pas bon le café, ça explique le bébé de temps. Oh, lol. Lol. Oh, love is my friend. Oh, are you my friend? Oh, ça se produit en fait. Oh, lol. C'est pour ça que ça se perpétue. Lol. David Miscavige, votre nouveau gourou, quittez la secte immédiatement. C'est une connerie. C'est une grosse arnaque. On se foutait de votre gueule, Ron et moi. Ah là oui, il a pas un super. C'est les écoutons, les scientologues. Les scientologues, t'es qui coule? C'est moi, un bosseur. T'as un cas d'avoir un putain d'avocat, hein. J'avoue. Un gros chéquier. Un gros chéquier, parce que... Non mais... Non mais pour le gros chantier avec les fonds de la scientologie, tu vois. Alors, vous pensez vraiment que votre gourou est la réincarnation de Bouddha? Ah, parce que quand même, il faut en avoir filé de l'air, non? Vous filmez quoi, votre maquette ou... Bah là, regarde, tu vois, il est en train de donner le cancer à ses bodycats sans les poumons. Vous avez fait des clients, votre... Il y a une petite baisse des prix. Parce que plus de 600 000 euros, ça fait pas mal. Et comme disait René Barthes dans les années 60, sans l'éducation, je trouve que bien sûr. Hein? Hey, c'est David Mist avec votre nouveau gourou. Quittez la secte immédiatement. Bonjour. Quoi? Il y a la secte là en face. Ouais, je sais, je suis bien chier. Ah, bah on en entend trop. En plus, ils perdent les procès. Attendez, j'appelle Xenu. Ça va, t'as de la bonne connexion? Ouais, bah téléphone intersidéral. Hein. Ouais. On dirait que t'as perdu ta langue, les body tétons l'ont mangé. Oh, regardez, il y a Emile T. Merci, poulet. Non, c'est juste une question, hein, attention. Salut! Ça y est, ils sont bons! Je vais vous révéler le niveau T8 là-bas. On part sur la réincarnation de Bouddha. Attention, vous risquez de mourir d'une combustion spontanée en apprenant ça. Ça chauffe pas trop? Vous avez chaud, foncez dans le caniveau, il y a de la flotte en ce moment, profitez-en. Mais de toute façon, même l'eau des flottes est plus tranquille. C'est David Miscavige, votre gourou. Vous pouvez partir de l'enfant, c'était une blague. C'était une blague, vous n'êtes pas obligé de payer pour rien. Hein. D'ailleurs, vous pouvez trouver le niveau OT3, OT4, OT5, OT6, OT7 et même OT8 sur Internet gratuitement. YouTube. Attention madame, sur votre gauche, le sac qui coûte du pognon. Salut! Et en fait, vos services secrets scientologues là, ils m'ont toujours pas filé assez, hein? Non, on n'a pas le droit. C'est pas grave, on leur balance des procès. C'est mieux, ça coûte plus cher. Non, on n'a pas le droit non plus. Mais ils aiment bien nous casser la gueule par contre. Une bête de monsieur est fini ce tribunal. Ouais, c'est dommage. C'est très con! Ah, ah, attends, je crois que je vais pleurer. Ah non! Arrête d'être mon cœur ce. Il est vicieux. Vraiment un vicieux. En plus, si je répétais aux gens ce que tu fais là-dedans. T'as déjà vu un lapin avec une sauce très particulière. Ouais, je suis sûr que tu
La scientologie, ça ramollit, hein. Ah bah, y'a pas que les bras, ça ramollit, mais... Cette année, c'est une année bisexuelle. C'est une année bisexuelle, cette année, Pardon ? C'est une année bisexuelle, cette année. Ah bah, c'est pas, je suis homosexuel. Il y a 30 jours au moins de février. Je crois qu'on en avait eu 29 ans. Bonjour mademoiselle Lafou. Bonjour Lafou. Salut. Ça, t'es petit. Lui, c'est Béatrice Quedalle. C'est un chimag. C'est un chimag, c'est fait opérer en Thaïlande. Lui, c'est comme la croisière. La croisière. Salut. Mon ami. La croisière. Hétérosexuel. Bah, ton ami, viens là, mon chéri, viens là. Et faites-moi un procès, bon sang, j'ai besoin de partir en vacances aux États-Unis. J'ai Clearwater à aller voir. San Francisco, Oakland, Los Angeles, San Diego, Orange. Sacré programme. Sacré programme. Je dois aller récupérer mon pain, ne se pas vivre, mais c'est du. Oh, regardez, ça y est, elle a tiré son super pouvoir à la poulinette. C'est une douglose. Wow. Super odieux, sinon si tu veux, mon père, c'est Alain avec le loup. Souris. Sinon, fais des blagues. C'est un tueur, lui. Fais gaffe, sinon, fais des blagues. Non. Salut. Non, c'est pas la bonne. Salut. Une sac, on va pas tirer sur l'enfant. Dieu t'aime. Maquillage, mon chéri. C'est lui ton adorateur préféré. Jeudi soir, c'est la soirée crise financière. Ah, t'as plus de batterie. Les bourses. Vous avez dépensé combien en scientologie? Parce que si vous voulez partir de la scientologie, vous faire rembourser, nous on peut vous aider. Hein, ouais. Ça, juste c'est gratuit en plus, à nous c'est gratuit. Y a on pas a de des juristes qui sont nous, gratos. C'est gratuit, ça. Sans hésitation là. Sans hésitation. Ouais, non mais sans hésitation. Sans hésitation. Ouais. Ça tremble, ça bouge. Ça commande juste d'un étage. C'est tétanisé, ça pas plus. Quand même, parce qu'ils aiment bien les piquer. Et puis on vous aidera à récupérer votre argent. Et ils ne viendront pas vous embêter, c'est promis. On a la caméra, on l'a bien. Mais vous pouvez leur laisser la caméra, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Contrairement à eux, on n'a pas eu de procès en escroquerie en bande organisée en appel, ils ont perdu plus de 600 000 euros. C'est votre mec qui vous a aimé, je t'avais. Les gars, c'est pas une blague, on s'est foutu de votre cœur. Vous pouvez sortir maintenant. Donne-moi ton poignard. Je te Yeah.